émission 100% placement sur BFM Business. Et un titre qui souffre encore aujourd'hui, c'est le titre BNP Paribas, moins 2%. Les autorités bancaires de l'État de New York réclament maintenant des têtes. Ils réclament le licenciement d'une dizaine de dirigeants de BNP Paribas. On va en parler avec Thibault François. Bonjour Thibault. Bonjour messieurs. Vous êtes cofondateur et associé de Fastia Capital. Alors on rappelle le contexte, BNP Paribas est accusé d'avoir violé l'embargo américain sur certains pays dans les années 2000, l'embargo sur l'Iran notamment, et donc BNP risque toute une série de sanctions. Dernière en date, les autorités new-yorkaises qui réclament le licenciement d'une dizaine de dirigeants de BNP Paribas. Est-ce qu'à votre avis, le sommet de la pyramide de BNP est menacé aujourd'hui? On a l'impression que tout est possible. On a chaque jour on a un nouveau lot de sanctions. Effectivement, ce week-end, c'est effectivement un certain nombre de responsables qui seraient impliqués dans les opérations de contournement de l'embargo qui seraient éventuellement sanctionnés. Alors qu'est-ce que ça veut dire une sanction? Donc est-ce que c'est une sanction pure, on tape sur les doigts? On parle aussi d'un licenciement, on parle aussi d'une interdiction d'exercer le métier bancaire. Donc c'est assez large. On n'a pas forcément beaucoup d'informations vis-à-vis de ça. On ne sait pas non plus si ça concerne uniquement les responsables directs des opérations concernées ou carrément les grands dirigeants de BNP Paribas sur Paris. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations autour de ça depuis ce week-end. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui et c'est pour ça que ça pèse sur les cours de bourse aujourd'hui sur BNP Paribas. Oui, BNP Paribas, à nouveau lanterne rouge du CAC, moins 1,5%. Alors justement, on va prendre les sanctions les unes après les autres. D'abord, première menace, ce serait une amende record pour BNP Paribas qui pourrait atteindre 10 milliards de dollars. Si cette amende de 10 milliards est confirmée, quel serait l'impact sur les comptes, le bilan de BNP Paribas? C'est vrai que 10 milliards, c'est juste énorme. Il y a quelques semaines, on parlait d'un milliard, on est passé à 3, on est passé à 5. Là, on parle de 10 milliards, c'est juste. Hein. Ce sont des montants qui sont significatifs, qui ne vont pas forcément remettre en cause, on va dire, le modèle financier de BNP. BNP est l'une des banques mondiales les plus solides, donc pas d'impact majeur vis-à-vis de BNP. Par contre, effectivement, ça a un rôle quand même, ça a un impact sur le ratio Bâle 3. Il était autour de 10,6% à fin 2013. Il pourrait passer avec cette sanction à 9,6%, donc on est toujours au-dessus des ratios réglementaires, mais attention, les 10 milliards, c'est quand même des montants qui sont significatifs, même pour BNP Paribas. Oui, ça ferait baisser les ratios de fonds propres au plus mauvais moment, puisque la BCE est en train de mener des stress tests. Ce serait dommage de voir les ratios de fonds propres de BNP Paribas fondre d'un pour cent. On est bien d'accord. Ouais. Ça fait 1% d'impact. Bon, il y a peut-être un LTRO qui va peut-être être annoncé, on va dire, d'ici la fin de la semaine. Ça pourrait être, on va dire, un moindre mal pour la BNP Paribas. Justement, est-ce que BNP Paribas aurait les moyens de compenser cette amende record de 10 milliards si elle est confirmée? Écoutez, oui, je suis pas véritablement inquiet d'un point de vue financier. Ce qui est plus préjudiciable, c'est que si ces 10 milliards se confirment, ils sont surtout conditionnés au fait de plaider coupable par BNP. Et là, je pense qu'effectivement, ça serait beaucoup plus, il y aurait un impact beaucoup plus fort vis-à-vis de l'image de marque de BNP plutôt que les 10 milliards de dollars qui est juste un enjeu financier, on va dire. Oui, parce que si BNP Paribas plaide coupable, en effet, ça va égratigner son image et beaucoup de fonds de pension, voire beaucoup de clients pourraient quitter la banque. Exactement. En fait, c'est vraiment l'enjeu. C'est vraiment les activités financières de BNP Paribas à l'avenir qui sont en jeu. Vous parliez des fonds de pension, c'est tout à fait exact. Ils n'ont pas le droit de confier leur argent à des entreprises condamnées. C'est un fait. Donc effectivement, si vous enlevez tous les clients fonds de pension de BNP Paribas, l'impact peut être vraiment majeur et c'est surtout cet aspect-là qui est inquiétant vis-à-vis de BNP Paribas. Ouais, c'est-à-dire que les fonds de pension iraient voir ailleurs avec le risque qu'ils ne reviennent pas vers BNP Paribas par la suite. On est tout à fait d'accord. Effectivement, vous savez, quand un client part pour différentes raisons, on n'est jamais sûr de le récupérer. Et c'est vrai que le timing est, à mon avis, vraiment l'enjeu pour BNP Paribas. Bon, et dernière menace qui pèse sur BNP Paribas, c'est cette possible suspension de sa licence bancaire aux États-Unis. Alors, c'est pas l'hypothèse la plus probable, mais enfin, c'est pas impossible non plus. Si sa licence bancaire est suspendue pour 90 jours, comme on l'entend par-ci, par-là, quel pourrait être l'impact pour BNP Paribas? Écoutez, effectivement, on parle de toutes les opérations de compensation en dollars qui pourraient être suspendues pendant quelques mois. C'est juste énorme, hein. BNP Paribas, c'est le top 5 mondial en termes de compensation en dollars. Donc effectivement, ça serait un impact pour BNP, mais aussi pour le système bancaire. Donc je ne crois pas forcément à cette théorie. Et il y a deux solutions de résoudre cet éventuel problème. Soit BNP passe par un intermédiaire, et donc on a des coûts faibles d'intermédiation. Donc là, le risque est assez peu important. Par contre, effectivement, si le client veut vraiment avoir des opérations en direct,
ils vont être obligés d'aller chercher un autre établissement financier. Et donc là, le risque d'image de BNP et le risque de perte de clients est assez énorme. Est assez énorme. Bon, après, là, c'est pas la survie de BNP Paribas qui est en jeu. BNP Paribas survivra, il n'y a pas de problème. Simplement, voilà, ça va quand même lui mettre du plomb dans l'aile. Si ces sanctions sont confirmées, et c'est pas sûr, le titre BNP Paribas, Thibault, perd encore 1,6% aujourd'hui. Il faut continuer de vendre, d'après vous, au cours actuel? Bah écoutez, ça engage pas en tout cas à acheter. Hein. Clairement, je pense que on est rentré dans un problème politique aujourd'hui. Je pense que BNP Paribas a respecté le droit international. Le droit américain est différent du droit international. Donc là, on est entre c'est vraiment l'Europe qui doit se réveiller par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est pas un problème français contre États-Unis, c'est un problème Europe contre les États-Unis. Est-ce que le droit américain doit l'emporter sur le droit international? Je ne pense pas. Le fait de traiter une opération en dollars ne doit pas soumettre l'ensemble des établissements financiers européens vis-à-vis du droit américain. C'est ce que pensent les États-Unis. Je pense que l'Europe doit réagir et doit taper du poing sur la table pour dire non, ce n'est pas du droit américain, c'est du droit international. Et donc aujourd'hui, acheter du BNP, ça me semble un petit peu tôt. L'affaire est très politique. Donc je pense qu'il faut attendre quelques semaines. Il faut attendre un petit peu de savoir un petit peu la réunion qu'il peut y avoir effectivement entre Hollande et Barack Obama sur les commémorations du 6 juin. Je pense qu'il va en parler, c'est évident. Maintenant, quelles sanctions vont avoir lieu, c'est vraiment ça qu'il faut déterminer. Vous évitez l'ensemble du secteur bancaire avec cette affaire BNP Paribas? Bah, je pense qu'il faut éviter tout le secteur bancaire, en fait, tout ce qui est opération aux États-Unis. D'accord. Effectivement, BNP, Société Générale peut être aussi impliquée. Crédit Agricole, c'est compliqué aussi. Il y a que Natixis qui pourrait être éventuellement épargné de toutes ces opérations. Et pour l'instant, c'est notre top pick du secteur aujourd'hui en Europe. Voilà, Natixis, et au contraire, vous êtes à la vente sur les autres valeurs bancaires. Merci beaucoup, Thibault. Thibault François, en direct avec nous, Cédric, depuis Fastea Capital. Le CAC 40, lui, qui reste toujours proche de son niveau d'équilibre, et on jette tout de suite un œil sur les marchés.